Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Quelle était la lecture que le peuple d'Israël faisait lorsque Nebuchadnezzar l'attaquait? Alors le peuple de Dieu se considérait comme, n'est-ce pas, le peuple loin de Dieu, le peuple mis à part par Dieu, le peuple aimé de Dieu, le peuple chéri de Dieu. Et donc, il regardait les autres comme des rebelles, il regardait les autres comme des autres, des personnes, des peuples n'aimant pas Dieu. Il regardait les autres comme des barbares, il regardait les autres comme les ennemis de Dieu. Et donc, lui étant dans la posture des enfants de Dieu, ils auraient forcément la victoire sur les ennemis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens pensent que parce qu'ils sont donc des chrétiens, ils auront la victoire sur les ennemis. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, l'issue de cette confrontation, l'issue de cette guerre. Nebuchadnezzar va dominer, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Nebuchadnezzar va dominer le peuple d'Israël et Nebuchadnezzar aura donc la victoire sur Israël, le peuple de Dieu. Et nous avons expliqué que la raison pour laquelle Nebuchadnezzar a eu la victoire sur le peuple de Dieu, c'est parce que le peuple de Dieu n'était pas en bonne posture avec, n'est-ce pas, son Dieu, exactement comme Adam dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi, n'était plus dans la bonne position, dans la bonne posture avec son Dieu. Et donc, lorsque un homme qui se dit enfant de Dieu, lorsque donc un chrétien n'est pas dans la bonne posture vis-à-vis de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, il peut avoir et il a des défaites dans sa vie. Et c'est pourquoi donc nous devons être en bonne posture. Lorsque Satan vient, n'est-ce pas, tenter le Saint-Jésus-Christ en Luc chapitre 4, Jésus fait de sorte de rester en bonne posture, en bonne position vis-à-vis de Dieu à travers la parole. Alléluia. Et donc, c'est à travers l'obéissance de la parole, ce n'est pas à travers les combats spirituels, ce n'est pas à travers les délivrances, ce n'est pas à travers un certain nombre de choses, mais c'est à travers l'obéissance à la parole de Dieu que Jésus donc aura la victoire sur son ennemi Satan. C'est donc par l'obéissance de la parole de Dieu que nous aurons la victoire sur nos ennemis. Nebuchadnezzar attaquait le peuple de Dieu. Nebuchadnezzar attaquait Israël. Or, Israël n'était pas en bonne posture vis-à-vis de Dieu. Et donc, Dieu voulant châtier Israël, Dieu va amener Nebuchadnezzar sur Israël. Nebuchadnezzar contre Israël. Alléluia. Et Israël sera dans la confusion, dans la défaite. Mais l'élément particulier, c'est que Dieu va dire, mais quel châtiment nouveau, n'est-ce pas, t'enverrai-je? Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar est un châtiment. Il y avait la mort, il y avait la maladie, il y avait plusieurs sortes de châtiments. Mais le peuple d'Israël, lui, comme les pharisiens, se disant peuple de Dieu, comme aujourd'hui des chrétiens, se disant peuple de Dieu, n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à considérer les voies, n'arrive pas à percevoir ce que Dieu fait
pour bien ajuster leur comportement, leur voix et leur vie. Ils continuent de marcher comme si rien n'était. Israël donc était dans la défaite. Dieu a permis qu'Israël soit dans la défaite afin d'amener Israël à réfléchir. Or, Israël ne réfléchissait pas à sa condition de défaite parce que lui, il est le peuple de Dieu et le peuple de Dieu ne peut avoir de défaite. De même que l'Église aujourd'hui, devant des difficultés, l'Église aujourd'hui qui, dans son ensemble, va croire à une sorte de victoire, dans son ensemble, va considérer et va se dire que Dieu leur accordera la victoire parce qu'eux, ils sont le peuple de Dieu, ils sont l'Église de Dieu et ils ont fait alliance avec Dieu. Eux, ils font le culte dimanche. Alors, lorsqu'ils définissent un ennemi, lorsqu'ils définissent un rebelle, lorsqu'ils définissent le camp derrière, lorsqu'ils définissent Nebuchadnezzar, ils disent forcément avoir la victoire sur Nebuchadnezzar. Ils ont prié, jeûné, ils sont allés dans les camps de prière, dans les retraites. Toutes les églises sont données à l'éveil et à la récitation, n'est-ce pas, des versets bibliques, pensant que Dieu va écouter en ce moment particulier les versets bibliques pour les sauver. Mais Dieu, en ce moment-là, n'a pas écouté les versets bibliques. Il n'a pas non plus écouté nos nombreuses prières. Il n'a pas écouté, n'est-ce pas, il ne nous a pas écouté. Comme il a dit dans Ésaïe chapitre 1er, il n'a pas écouté nos prières. Il a détourné son regard lorsque nous élevions les mains et il n'a pas prêté oreille attentive aux prières, n'est-ce pas, que nous lui adressions. Pourquoi? Alléluia. Et donc, c'est là la question. Et nous sommes exactement dans la condition d'Israël qui se dit qu'il ne peut avoir la défaite vis-à-vis de l'ennemi de Dieu, vis-à-vis de leur ennemi, étant donné que eux, Israël, n'est-ce pas, lui, Israël, est le peuple de Dieu. De même, aujourd'hui, l'Église, dans son entièreté, dit, ne peut avoir une défaite parce que lui, l'Église, sinon, est l'Église, le pouce de Dieu. L'Église, donc, est le peuple de Dieu. Amen. Et donc, comment est-ce que Israël considérait sa défaite vis-à-vis des Nebuchadnezzar? Comment est-ce que Israël considérait le fait qu'il a été vaincu par Nebuchadnezzar et il était mené à captivité? Comment est-ce que Israël considérait sa défaite vis-à-vis de celui qui appelle et qui est effectivement son ennemi, mais qui aussi appelle l'ennemi de Dieu? Pourquoi donc Israël avait la victoire? Pourquoi donc Israël a été dans la confusion? Pourquoi donc Israël a été dans la honte? Il n'y a pas de différence en ceux qui se font appeler aujourd'hui serviteurs de Dieu et peuple de Dieu à ceux du monde. Et donc, Dieu, il ne vient pas donc pour juger aujourd'hui le monde, mais Dieu veut préparer son Église afin qu'il soit à son image, selon sa ressemblance. Nous n'avons pas de problème particulier avec ceux du monde. Ceux du monde, Dieu veut qu'il accepte une gloire. Il croit en lui comme le seul qui peut le délivrer de notre vie. Il croit qu'il est celui que Dieu a appelé afin de leur donner la vie éternelle. C'est en cela que Dieu les attend. Mais maintenant, en ce qui concerne le peuple de Dieu, en ce qui concerne nous précisément aujourd'hui, l'Église, Dieu attend que nous puissions vivre en conformité de vie avec sa parole. Nous puissions vivre, n'est-ce pas, comme lui, il le veut. Alléluia. Et c'est là notre difficulté. Et comme les prophètes d'autrefois, à part ce que nous avons cité, comme le peuple d'autrefois, le peuple de Dieu, ils ont tellement considéré leur nation, ils ont tellement considéré leur pays, car leur pays, c'est eux-mêmes, selon que Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, car ta patrie c'est ton sang, la maison de ton père c'est ton nombril, et ta patrie c'est ton sang, quitte ta patrie, car je te montrerai. Alléluia.
pour que Dieu fasse de nous des hommes spirituels, Dieu aimerait que nous puissions, comme Abraham, quitter notre patrie. Alléluia. Et pourquoi donc Dieu veut que nous puissions quitter notre patrie? Dieu veut que nous quittions notre patrie parce qu'il a une autre patrie à nous offrir. Il a un autre lieu à nous offrir. Il a autre chose à nous offrir. Alléluia. Et c'est pourquoi il dira, celui qui veut me suivre, et là je suis, en Luc 15, celui qui veut me suivre, il renonce à son père. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et ta patrie. Alléluia. Alors il y a celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il, n'est-ce pas, ait son père pour quitter. Qui est sa mère pour quitter et qui est lui-même. Alors donc, lorsque Dieu va susciter le prophète Jonas, afin que Jonas puisse aller à Ninive pour parler de la part de Dieu à Ninive, Jonas va refuser d'aller à Ninive. Jonas préférait même la mort que aller parler au peuple ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que Jonas est un prophète patriotique. La fibre patriotique parlait en Jonas que la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu ces choses aujourd'hui. Les personnes qui se disent prophètes de Dieu, habitées par la fibre patriotique, ont prophétisé, n'est-ce pas, des choses par eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas réellement quitté leur patrie. La maison le père, leur patrie et la maison le père, sinon la maison le père et leur patrie. Alors si nous qui ne quittons pas la maison de notre père et notre patrie, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, rentrer dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, hériter du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les choses de l'autre patrie dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, son royaume n'est pas. Et c'est là réellement le défi. Car nous aimons tellement notre patrie, nous aimons tellement la maison de nos pères que nous ne pouvons réellement décoller pour aller à la découverte du royaume de Dieu, selon que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. À ce lieu-là, c'est en ce moment-là, dans cette période-là, que la difficulté se trouve. Et c'est pourquoi lorsque c'est difficile sur notre pays, nous avons préféré notre pays, nous avons défendu le pays parce que le pays nous coûte cher. Nous n'avons pas écouté la pensée de Dieu, la parole de Dieu, pour savoir en réalité qu'est-ce que Dieu veut. Nous ne savions pas qu'en réalité, Nebuchadnezzar, c'était celui-là, Dieu a amené sur son peuple Israël afin de lui apprendre la leçon, afin de lui apprendre que, n'est-ce pas, dans cette fin des temps, lorsque le royaume de Dieu sera en œuvre, lorsque le royaume de Dieu se manifestera dans notre dimension, il y aura, n'est-ce pas, des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura beaucoup de choses qui vont annoncer la manifestation du royaume de Dieu dans cette fin des temps, dans cette fin des temps. Avant plus aimer notre patrie et sa parole de Dieu. Et là, je suis au sujet 137 des choses que je développe. Et j'ai dit que nous avons 1500 sujets sur les choses que Dieu nous a dites. Et ici, maintenant, j'aimerais énoncer les titres, les sous-titres et les titres et les sujets. Donc, j'ai écrit sur la suggestion. Et ce sujet, là où je suis, est le sujet. 137 est le choix du moi et de notre patrie, notre erreur. Alors l'erreur que nous avons fait, c'est que nous avons défendu, pleuré, et nous étions même notre patrie. Or derrière notre patrie, c'est tout le moi. Et c'est là notre erreur. Chapitre 38, le Seigneur revient vite, mais pas pour notre pays. J'ai déjà développé ces choses-là. Le royaume de Dieu arrive.
Jésus nous a dit de rechercher le royaume de Dieu afin de le manifester. Mais nous aujourd'hui, nous voulons nous plaire et nous voulons réussir dans notre pays. Nous voulons nous conformer aux normes de notre pays, aux normes, n'est-ce pas, du succès et de réussite de cette terre. Or, il a dit, chercher premièrement le royaume. Qu'est-ce que donc l'Église doit faire aujourd'hui? Alléluia.